siège pouvoir l'état yo pas exister. Gon force nous font commande d'on force internationale et pas ça qui presque gon moi mais qui sont ou dit même ba yo même ba yo c'est donc pas encore plus mal donc ça veut dire qu'il y a là avec qu'on est la corruption qui éclabousse le conseil présidentiel côté nous aller justement c'est là nous besoin venir la corruption qui éclabousse le conseil présidentiel là des rumeurs à avocat qui c'est au même maître de Saint-Louis qui ça bagaille ça y mon cher que c'est avocat la donne mon cher effectivement et te gen on demande de paiement en rançon on demande de paiement qui a été faite par trois conseillers ça yo pa gen non ou gade le doigt ou pas citer non ou bien du conseil présidentiel au président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit trois conseillers ça c'est Gérald Gilles de 21 décembre ouais Emmanuel Vettilet de Maurice Jean-Charles et Ismet Augustin de Claude Joseph dans cette affaire de grande perversion une rencontre s'était déroulée entre le président du conseil d'administration de la BNC. Président sortant. Non, pas président, il est toujours président. Non, l'homme dit sortant, le mandat n'est pas fini. Oui, mais écoutez, oui, même le mandat. Non, je comprends ça, oui, justement. Oui, mandat est fini. Mais on trouve une situation. Parce que là, on dit mandat, il y a un mandat, mais c'est la loi qui fixe le mandat. Et puis, on dit comment ça fait. Il y a un Sénat qui est impliqué, il y a le président de la République, tout le monde est impliqué. Mais quand il y a là, on pose des questions, on dit, mais bah, c'est terrible. Comment pour le conseil présidentiel, pas un mandat, et pas ça? Et puis pour le bail, il mandat. Et même gens, t'as dit bien. Constitution a dit juge, la Cour de cassation, même mandat, il y a. Il dit juge, dans la Cour d'appel, il y a mandat. Tribunal de première instance, il y a mandat. C'est surtout pour juge et qui a instruit le dossier. Bon, comment faire comprendre? On pouvoir de facto des sections par un mandat et puis la baille constitutionnellement des mandats à des institutions. Ouais, non, qui s'ennuie? Mais c'est parce que bah, rien tout. Oui, comme là, la, oui il n'y a rien. Pas, oui, je ne le crase, toute institution. Institution qui gagne un pays. Ou trouver une situation qui est qui pas un mandat et puis qui a fixé mandat par l'autre monde. Yeah. Donc, Ariel, bah, il juge la Cour cassation. Mandat, alors que Ariel pas de mandat. Yeah. Et même pas la fête pour Cour supérieure des comptes. Justement, les bails au mandat. Cour supérieure des comptes, c'est CPA là qui bat le mandat. Qui bat le mandat alors que la Cour supérieure des comptes. Les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est élu, sont élections qui sont faites au Sénat de la République. Au Sénat, pas au Sénat. Pas au Sénat. Qu'on a essayé de contrôler, si coup de contrôler, c'est le bagage auquel monde l'État bloqué. Ou justement, c'est ça, Mbrazo. Voilà qu'on a au mandat. Moun qui bon mandat, lui-même, il n'a pas un mandat pour être pâle. Maintenant, qu'on a effectivement la rencontre. Mon dîme, toi, Moun, Gérard Gilles, ouais. Vettilet, et puis Smith, ouais. Augustin. C'est toi, Moun, ça a demandé. Président conseil BNCA, l'argent. 100 millions de gouttes. Il m'a dit 100 millions de gouttes pour le rester dans le poste là. Dans le poste là. Qui j'ai abordé? Dans la réunion. Il m'a dit dans la réunion. Oui, invité dans la réunion. Dans l'hôtel, la caillou dans le conseil. Hôtel. Qui hôtel? Bon, je suis hôtel là. Si je suis bon avocat. Non, voilà, pour qui ça l'aime bien? Parce que ça m'intéresse, c'est pas. Et soit réunion te fait la caille ou bien un hôtel. Mais pour qui ça? Ça qui intéresse, parce que ça qui intéresse moi même c'est la demande qui a été produite. Pour qui ça qu'on est là? J'aime qu'on est haïtien toujours mes pères chef. Pour qui ça conseille à aller jusqu'au bout? Au lieu de t'arrêter bac, il t'a serré bagala il est capable de mettre dans la. Eh, m'a besoin bah. Parce que mon conseil a pas peur là pour l'avancer lui-même. Ouais. Puis, parce que by the way, où est toute institution qui gagne dans pays yo? L'opéra banque qui a plus rigueur là-dedans. Ou peut-être toute institution dans le pays a fait faillite. Et ouais, banque pas fait faillite facile. C'est parce qu'il y a plus rigueur là-dedans. C'est pas que banque qui a faillite là, c'est sérieux, c'est vous. Ça qui arrive tout. Qui a plus rigueur là. Maintenant qu'on y est là, demande ça, li fait. Li fait dans l'hôtel, n'est-ce pas, monsieur rendez-vous. Ouais. Tous les trois des présents. Justement. Et puis qu'on y est là, pour yo, mande monsieur 100 millions de goud. Effectivement, rencontre là, t'es faite. Ou pas changer de date là, ok. Non. Deuxième bail qui vient, c'est que Raoul, Pierre-Louis, discutait des rencontres là avec le Premier ministre. Il fait le part des situations. Il fait le part des situations.
Et il a tout dit. Avec sincérité et puis sans complaisance. Casser mon sobaye population, non? Oui. Il dit, voilà, le rencontrer avec les conseillers, mais demande conseiller au fait. Et réponse, il était bayo le moment de l'argent. Il dit, le pape a cassé banque là pour nous. On a demandé comme ça pour capable Kembil. Kembil comme président conseil. Conseil d'administration, monsieur dit pas casser banque là. Qu'on a ça avec dit lui-même. Et monsieur dit seul bagaille qu'il a fait pour un conseiller. Il a fait pour tout client. C'est ou gè cob dans banque là ou travaille et bazar. Et sous besoin carte crédit ou bien sous besoin acheter caille ou après moi fait avec tout le monde et pour venir avec papio et pour monter un revenu qui permet de payer ça. Il y a dit il y a des demandes qui sont acceptables tant que moi-même mon carte crédit BNC parce que m'tape travail. Et puis qu'on y a pour me faire li monter revenu premier bagage exiger me faire remplir en forme. Comme son client banque là moi-même tout compte moi logé dans banque là. Et comme yo bon moi sous 4 crédits a, m'gen plus cob dans banque là que sous 4 crédits a. Ça veut dire ça justifier que moi même ka paye. Donc c'est justement la procédure. Donc la question a été discutée avec le premier ministre et par la suite monsieur commencé à vivre menace. Et puis il m'a appelé. Monsieur recevoir menace. Menace. Même beaucoup en qui des menaces là là bon font petit bac. Pour qui ça c'est premier ministre là le bote plainte. Et d'abord parce que c'est autorité là. Premier ministre, c'est le chef de l'administration publique. Parce que monsieur son haut cadre de l'administration publique. Mais qui chef hiérarchique qui a supposé la présidence parce que c'est au cas changer le premier ministre va pas changer. Oui, même si au cas changer, mais le président de la République pas entré dans l'administration publique. Président il pas entré dans l'administration publique. Non, il pas entré. Moi d'accord. Il ne dirige pas l'administration publique parce que constitution lui-même. Il dit que le premier ministre est le chef de l'administration publique. Ça veut dire le président n'est pas de l'administration publique. Ça veut dire qu'il va gérer l'administration publique. OK, d'autant plus question ça, il concernait les membres du conseil présidentiel qui assuraient aujourd'hui à la présidence. Maintenant qu'on y a si et le fin parler avec le premier ministre là. Il y a une correspondance qui lui a été adressée. Et puis, pour elle dit pour. Correspondance à qui est-ce qu'il fait? Raoul. Il a adressé le premier ministre à la correspondance. Oui. Mais tu as un copil. Oui, en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, pour elle? Non, j'ai participé à la rédaction. Ou tu as un copil, moi. OK. Donc la lettre a été acheminée. C'est qu'on a la publique, pas un cachet encore. Donc la lettre a été acheminée. Donc au premier ministre. Maintenant qu'il est le chef de l'administration publique, maintenant il revient au premier ministre de contacter le conseil présidentiel, dit même mon situation. C'est pas ça? Oui. Situation ça, qui ça n'a fait avec? Parce qu'il y a 3 membres du conseil présidentiel qui font des demandes qui inappropriées à un haut fonctionnaire de l'État. Qui mettait l'administration publique dans une situation de perversion absolue. Donc à ce moment-là, donc il revient au premier ministre pour le faire suite à ça. Donc c'est le premier ministre lui-même, parce que le premier ministre doit réagir. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration que le président du conseil d'administration lui fait au premier ministre. Donc lui est qu'on l'aide, c'est-à-dire c'est dans l'aide rapport. Mais est-ce que pas gagné on rapport de ce qui a passé là, à savoir moi plusieurs journalistes et dans plusieurs médias qui ont shooté à boulet rouge sous conseil présidentiel là. Est-ce que pas gagné lien entre deux ça? Parce que moi-même, moi trouvé que président conseil BNCA, moi trouvé à l'aise pour l'accuser mon ECP. Oui, mais écoutez, en tant qu'avocat. Toi, c'est moi-même qu'on aïe, bien. Justement. Mais écoutez. Qu'on aïe, c'est bien. J'ai les échanges. Alors, c'est pas dit, me dit, menti, non? Non, j'ai les échanges. Ou bien échanger. Yeah. A dit, enregistré. Ouais. J'ai un texte, échange WhatsApp. Ou bien échange WhatsApp. Et Mabdou vous dit, c'est pas seulement, il y a tout un dossier.
Est-ce qu'il y a une preuve? Ah oui, il y a tout un dossier. Et puis Raoul Perry qui intérêt le gagner, attendez bien. Et puis pour le faire ça. Parce qu'il y a deux bagages pour comprendre dans la question pénale, on dit. Premier bagage là, c'est que c'est le principe de la présomption d'innocence. OK? Tout temps par un tribunal neutre, impartial, qui est indépendant, qui déclarait que le monde est coupable, donc on ne peut pas dire le coupable. Deuxièmement, il y a la réputation de l'accusé. Donc il faut protéger. Donc si Raoul Pierre-Louis, donc c'est manipulation politique l'affaire, mais il a couru des grands risques. Par rapport avec principe que m'évoquez-vous là, les principes de la protection de la réputation de l'accusé. Maintenant qu'on est là, si pas gagné, pas gagné qu'une évidence de fait ça, donc toi conseiller réserver le droit au nom de deux principes ça, les principes de la présomption d'innocence et de la réputation de l'accusé pour engager en action contre le président. Qu'on est là en avancé. Qu'on est en avancé. Ou dis-moi que monsieur a reçu pression qu'on est. OK, qu'on est là beaucoup même rivé là, vous dire il y a tout un dossier. Rappelez-vous bien. Pourquoi qu'on semaine, des semaines on dit. Conseil présidentiel là t'est rentré dans palais. M'pa défendre. Bah non, bah défense de Carico ni ou bien de conseil présidentiel, on n'a pas fait. Et l'agent qui était destiné au service d'intelligence. À peu près 27 millions de gouttes et puis 30 millions. Chaque monde prend 2,5 millions. Et c'est le premier monde qui va ça dans la média. Justement. Chaque monde prend 2,5 millions. Ou qu'on aime des conseillers dans le palais. Comme service d'intelligence là. Mais ça. Mais quand c'est ça, on tout côté manger. Attendez. Ni l'imprimature, ni la. Quittez m'explique. C'est une pratique. Ou appelez vous pratique. Mais map don va qui. Léo dit ou pas gen rapport pour bailler sur question sur service d'intelligence là ou dit. Ça veut dire rapport ou pour pas bailler là. Ça veut dire parce que ça concerne la sécurité nationale. Il va budgétiser. Oui, justement, il va budgétiser. Il n'a pas un rapport, pas un détail pour bailler sous lui. Haïtien, il est le caisse noir. Justement. Ça veut dire dans tout pays du monde, que la CIA ou bien le FBI, il y a des caisses noires pour le service d'intelligence. Exactement. Mais il n'a pas bailler détail sous lui. Pour dire comme ça, ah, vous dites comme journaliste, débat 150 000 gouttes, moi ça. Ou pas qu'à faire un rapport comme ça. Exactement. Mais ça veut dire un pire journaliste qui mange comme ça. Justement. Non, ça dans tout pays. Les relevés de la sécurité nationale, ça pral dépendre de qui information que journaliste là-bas. Donc, on est là, on est dans le quartier populaire, le baron Kob. Check-moi si micro bas. Moi, je suis capable de dire micro bas. Ok? Et puis là, le baron Kob. Mais le pas dit qu'il est arrivé dans le quartier populaire, il est dans le temps Kob. Pour acheter tel type d'information qu'il a besoin. Parce qu'il n'y a pas de détails pour bailler sur lui. Mais cependant, on dit. Comme service d'intelligence, c'est pour l'intelligence où il est destiné. Maintenant, qu'on est là, sous-prendre. Ou diviser le pas de neuf, c'est pas ça. Maintenant, c'est le détournement de fond. Troisième situation, ou dit. Ou songez, M. Samuel Madistin. Dans Miko Marie-Lucie Bonhomme, par contre, c'est dans tout Miko. Qui poste, ministère de l'Agriculture à Devon. Avec des gros mouns qui travaillent dans l'affaire, qui débattent comme dans l'affaire. Fontaine, mon second. Et Ralph Pierre Vergin. Maintenant, il y a une preuve là, il y a une preuve sur le téléphone, d'échange qui fait entre conseiller avec. Maintenant, il y a une preuve. Maintenant, qu'on y est là. Ça va, il tribunal va l'éclair. Qu'on y est là, il y a un problème qui pose. Il y a tout un dossier de corruption. Maintenant, qu'on y est là, c'est pas une question privée ou dit, c'est une question qui concerne la gouvernance publique. Je ne viens pas là pour m'accuser personne. Mais on veut que la lumière soit faite sur cette question. Maintenant, il y a une lettre publique qui a été adressée au Premier ministre, c'est pas ça? Moi-même comme avocat, Raoul Pierre-Louis, j'ai fait des déclarations. Donc je porte les paroles de mon client. Maintenant la question est publique. Le public exactement. Parce que nous voulons savoir. Parce que personne là ne peut prétexter l'ignorance comme si pour dire que bagarre là pas connait. Les membres du conseil présidentiel pas qu'a dire pas connait. Gary Conny pas qu'a dire pas connait. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince pas qu'a dire pas connait parce qu'il y a une lettre qui a été adressée. Donc le directeur du LCC pas qu'a prétexter l'ignorance. Donc il y a une enquête qui doit être ouverte. On a moun sa yo, trois moun sa yo. S'il révèle que vous mandez comme la vraie, d'ailleurs, vous avez une preuve et que c'est vérité, ça ne peut pas le passer. Écoutez, en matière de corruption, vous ne pouvez pas dire preuve.
Je dis qu'il y a des soupçons hein, de corruption. Parce, oui, mais sous, parce sous, que ces tribunaux là. Oui, justement. Mais il n'y a pas les preuves. À ce stade, nous pouvons dire aux preuves. Comme moi, je ne vais pas dire. À ce stade, il y a des soupçons. Ou à l'ouvre, non, il y a des gens là. Maintenant, quand tu as dit preuve, soupçon, donc ce n'est pas technique. Vous comprenez? C'est pas avocat. Maintenant, qu'on y a dit, qui sa pays a de connaître? C'est pas ça? Le pays veut voir la vérité. Ça, c'est la parole de Raoul Pierre-Louis. Comme m'a dit, m'a porté parole comme avocat, c'est pas ça? Mais il y a sa pays a demandé une enquête ouverte qui doit faire sous question ça. À partir du moment où nous finissons ça, qu'on y a. Lionel Boukouin, qui est mon ami personnel, le commissaire du gouvernement Bordeaux-Bègles, il est extrêmement brillant et compétent. Je donne un peu le monde dit ça. Brillant et compétent. C'est un magistrat dans l'âme. On connaît ça, gouvernement là travail, de toute façon. Ah, il ne pas corrompre, monsieur. Non, il ne pas de corrompre, non? Non, même si ça. Non. Ça veut dire qu'il est maître de l'action publique. Mm-hmm. Il est compétent. Il n'est pas compétent seulement de qui compte doit, non? Mais c'est une compétence alliée à l'intégrité. C'est son magistrat honnête. Qu'on a baillé ça, qui est-ce qui a poussé? C'est le gouvernement qui a poussé le bien? Maintenant, non, on n'a pas besoin. Ou mais c'est mettre affaire qui a poussé? Non, c'est pas une c'est bon mettre affaire. Attendez bien. Non, affaire qu'on met. Mon Dieu, pas de là. Non, c'est bon mettre affaire? Non, c'est pas mettre affaire. Ils sont fonctionnaires de l'État et puis qu'on supérieur qui besoin corrompu. Et puis ils font rapport. Ils font dénonciation. Maintenant, il s'agit. Il revient à la justice. Maintenant, qu'on y est là. Mais qu'on y est là, qu'on y a ça pour faire. C'est pas une question que Gary Koni est capable de traiter lui-même. C'est pas une question que le conseil présidentiel là, lui-même, il a traité. Seul bagage qu'il a fait. Vous entendez? Et puis, il faut le mettre de côté. Les trois membres du conseil présidentiel, sinon, ils ont en complicité de corruption. Maintenant, c'est acheminé. Mon client. Il est à la disposition du gouvernement, mais aussi... Gouvernement par la justice, il n'est pas à la disposition. Non, ça veut dire pour toute information utile et nécessaire. Parce que si on a dit mieux là, on va comprendre qu'il est la rencontre là, t'es faite. Parce que tout a été dit. Qui bon rencontre là, t'es faite, qui est ce monde qui est là. Est-ce qu'on comprend? Tout a été dit au premier ministre. Et non seulement tout a été dit au premier ministre, c'est-à-dire face pour face. Donc, il y a une correspondance qui a été adressée au Premier ministre. Maintenant, il y a une preuve documentaire dans le mail. Que le président du conseil d'administration dit il a sollicité, il a demandé 100 millions de goudes. Maintenant, cette lettre doit être acheminée au commissaire, au paquet du tribunal civil de Port-au-Prince. Donc, le commissaire du gouvernement, de conseil avec lui, il doit ouvrir une enquête sur cette question-là. Il faut entendre Raoul Pierre-Louis et puis il faut entendre les membres du conseil présidentiel. Ce n'est pas seulement sur cette question de corruption. Le premier fait de corruption que vous avez relaté, son détournement de fonds publics. Parce qu'on n'a pas qu'à diviser comme l'État par neuf et puis nous, chaque proportion la donne. Donc l'argent a été destiné au service d'intelligence. Mais ce n'est pas le premier monde qui mange comme ça. Ce n'est pas le premier président qui mange comme ça. Écoutez. Alors comment même m'a défendre corrompu non mais ma par exemple Matel il mangeait le Jovenel mangeait le Préval mangeait l'Aristide mangeait et Primature même bagaille là. Primature une rame qui passe la Primature. Exactement. Qui va prendre des avantages les Kavan ouais. Nous toi prendre non lui. Ça c'était premier ministre OPL là. OPL là. OK. Mais écoutez bien. C'est Onismat. Oui, c'est niveau de d'indécence qui gagne dans bagaille là. C'est pas problème manger à la dans ce niveau d'indécence là parce que nèg yo te gen droit prendre coble ça et puis di yo di que y a servi avec pour question intelligence ça ça fait coble là parce que coble a manger au nom de l'intelligence c'est pas ça mais l'on prendre ça il manque élégance et puis on dit mais coble a nous diviser le pas 3 pas 9 donc ça veut dire c'est dans poche ou le vini.